Point Olivia. Eh bien joué. Bien, les suivants. Ah, je suis complètement crevée. Il va falloir faire un effort, on est en service. Bande de petits voyous, vous pourriez faire attention en traversant. C'est incroyable, les jeunes ne connaissent même pas les règles les plus élémentaires de sécurité en ville. Oh, tu sais qui sont ceux-là? Ces trois-là, oui, je crois que je les ai reconnus. Ils viennent au cours de kendo et ils ont beaucoup d'énergie à dépenser. Il n'est plus question que je retourne m'entraîner au commissariat. J'en ai assez de ce genre de pratique, je n'irai plus jamais. Je me demande si on n'aurait pas dû leur donner un coup de main pour nettoyer avant de s'en aller. Moi, je m'en moque. Je n'y retournerai plus, je te dis que je quitte le cours de kendo. Alors tout ça, ce n'est plus mon problème. C'est vrai, t'es sérieux? Eh oui, je m'ennuie. C'est décidé, je n'y remets plus les pieds. D'ailleurs, je sens très bien que je n'ai plus du tout besoin de ce genre de choses. Oh. 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 Hey, mais qu'est-ce que vous faites? Il est à moi ce chinaï. Tu as dit que tu n'en avais plus besoin. Oui, mais je n'ai pas dit que j'avais envie de le donner. Alors viens au commissariat demain à 4h, on te le rendra. Oh. Oh mais, monsieur, attendez une seconde. C'est fou, à cause de ces enfants, on n'arrive pas à avoir une seule minute de répit. Tu ne crois pas que tu prends toute cette histoire un peu trop à cœur? Mais c'est normal, je les trouve tellement insolents. Tu devrais d'abord t'occuper de ton propre travail. C'est vrai. Eh ben dites donc, j'ai l'impression qu'il va encore faire chaud. Hein. Tu veux un petit thé glacé? Ah, c'est gentil, merci. Oh. Un chinaï? Il est plus petit, c'est celui d'un enfant, ça. Ah, mais tu t'y connais, on dirait. Est-ce que tu es un adepte du kendo? Je l'étais, mais il y a pas mal de temps que je n'en ai plus fait. Cela dit, je vais voir si ce chinaï est vraiment très bien entretenu. Et à quoi tu vois ça? Oh, c'est facile, regarde. Il a été enduit de cire partout pour le garder en bon état. C'est un signe qui ne trompe pas. Oh ah. Je suis venu. Rendez-moi mon chinaï. Ouais, tu vas l'avoir. Mais avant que je ne te le rende, il va falloir que tu fasses quelque chose. Mais comment ça? On fait le match en une seule manche. Si tu gagnes, c'est fini, tu le récupères. Non, laisse tomber! N'accepte pas! Il a raison, d'autant que le match n'est pas équitable. Mais rassure-toi, je vais rendre le match un peu plus équitable. Mon chinaï à moi, ce sera cette banane. Arrêtez! Vous avez envie de me ridiculiser? On y va. Ce n'est pas parce que les choses ne vont pas comme on le veut qu'il faut décider de tout quitter. Qu'est-ce que tu n'apprécies pas dans ce sport? Je n'aime pas perdre. Et c'est pour cette simple raison que tu veux laisser tomber? Bah oui, ça m'énerve. Ah oui. Je ne supporte pas d'être plus faible que les autres. Alors c'est peut-être plutôt de ce côté-là qu'il faut travailler. Hein? Tiens, prends ça. Oh. Ne bouge surtout pas.
Mais qui êtes-vous? Je suis le lieutenant Franck, officier de police. Ah, dites donc, j'ai l'impression que vous êtes drôlement doué pour ce sport. Je le suis suffisamment pour couper une banane en deux. Oh. Vous voulez bien m'apprendre le kendo, lieutenant Franck? Bon sang, quelle chaleur! Je vais finir par me déshydrater. Non? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Anna? Je viens de voir quelque chose de surprenant. Ah oui, on peut savoir ce que c'est? Ça alors, la police et le kendo, c'est surprenant. Ouais, c'est vrai, je ne vois vraiment pas où est le rapport. Dans ce cas, il ne fallait pas venir. Ouais, mais moi, j'ai envie d'apprendre et d'être fort. Ouais, moi aussi. Dis donc, si t'essayais de le frapper en douce, bah, pourquoi faire? Pour voir s'il est vraiment doué et comment il va réagir. Non, non, il n'en est pas question, mais fais-le, toi qui es si malin. Oh, bon, d'accord. Dis donc, toi. Dis-moi. Ouais, t'as une touche, là. Oh non, c'est pas possible, le poisson il a encore mangé mon appât. Si tu arrêtais de bouger, ça n'arriverait pas. Je peux vous dire que je vais l'avoir, cette saleté de poisson. Ouais, moi aussi alors. Moi, je trouve ça bizarre. C'est vrai qu'il avait dit qu'il leur apprendrait le kendo. Je me demande ce que ça signifie. Et de notre côté, si nous nous mettions à réfléchir à des cours de sécurité routière en ville, pour l'instant, on n'a rien organisé, ni même encore jeté la moindre idée sur le papier. On y va. Ça te concerne aussi? Oui, oui, je m'y mets tout de suite. Ah bah vas-y, lance-la-moi. Allez, attaque. Oh non. Mais t'as vu comment tu l'as lancé? Et puis de toute façon, c'est beaucoup trop rapide. Oh, dis donc, on pourrait savoir ce que ça va être, le prochain exercice d'entraînement? Merci bien, monsieur. Au revoir. Lieutenant, vous êtes sûr que ce que vous me faites faire va me rendre fort? Pourquoi cette question? Bah, comment ça, pourquoi? Tiens, salut, ça va? Je suis contente de te voir. Dis donc, l'autre jour, tu es partie sans nous aider à ranger. Tu sais qu'on n'a rien dit au professeur, mais à l'avenir, il vaudrait mieux ne pas recommencer. Oui, oui, ça va, je le sais. Et encore une affichette pour les cours de sécurité routière en ville de coller. C'est pas facile et on en est qu'au début. Eh oui, il va falloir faire avec. Ton attitude me surprend. Est-ce que tu sais que l'éducation et les bonnes manières font aussi partie du kendo? Oh, ça va, boucle-la. Tu vas pas me faire la morale parce que tu m'as battu une fois. Mais je ne te faisais pas la morale. Ça va, laisse tomber. De toute façon, je t'avais laissé gagner parce que je peux te dire que si je veux, tu ne me bats pas. Et puis dégage de là, espèce d'idiote, tu commences à m'énerver. Hein? Oh, et bien là, je n'en reviens pas. Comment peux-tu oser me parler comme ça? Oh, mais lâche-moi un peu, tu veux? Ne t'inquiète pas, je vais te lâcher. Tiens, comment ça va, lieutenant Franck? Ça va. Qu'est-ce qui se passe avec ce garçon? Il a fait quelque chose de mal? Bon, allez, ne traîne pas, Olivia. N'oublie pas qu'on a du travail. Oh. On a encore pas mal d'affichettes à poser avant de pouvoir rentrer au commissariat. Oh, lâche-moi, tu vas abîmer mon uniforme. Alors, c'est cette jeune fille qui t'a battue? Mais juste une fois. Mais une fois quand même. Oui, j'ai perdu, si c'est ce que vous voulez dire. Et ce qui t'agace le plus, c'est que c'était une fille. Bah, évidemment, c'est normal, non? Les filles ne sont pas plus fortes que les garçons. Ah, ça, c'est ce que tu crois. J'en suis certain. Tiens, regarde. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette photo? Celle de ma petite amie. Quoi? C'est le Machu Picchu. Altitude 6993 mètres. Cette montagne? Mais oui. Elle est formidable et puissante et magnifique surtout. Elle me fait perdre complètement la tête. Enfin, c'est sûrement pour ça que je l'aime. Allons-y, les autres doivent sûrement déjà nous attendre. Oh, les enfants ne pensent qu'à une chose, être le meilleur. Il n'y a que la compétition qui compte. Ils ont toujours horreur de perdre. Oui, mais si ça se trouve, peut-être que ce garçon, au fond de lui, il aime bien cette jeune fille. Alors, tu crois qu'il ne lui en veut pas seulement parce qu'elle l'a battue? Bien sûr que si, mais dans son cas, c'est peut-être un mélange des deux. Il a été battu par cette fille qu'il aime bien, ce qui fait que
force encore plus, c'est pour ça qu'il a dit qu'il laissait tomber le kendo. Mais maintenant, il travaille, n'est-ce pas, Anna? Mais c'est tout à fait exact, mon petit bonhomme. Vous croyez qu'ils sont comme ça, les garçons? Ah oui, alors ça, je te le garantis sur facture. Dis donc, Alex, c'est pas parce que tu te déguises de temps en temps que tu les connais mieux que les autres. Non, tu as raison, mais je sais que c'est vrai. Alors, je pense qu'à l'heure qu'il est, il est encore en train de les entraîner. Oui, ils sont à la cafétéria en ce moment. Malheureusement, moi, je n'ai pas la possibilité de suivre le rythme de ces entraînements. Mais alors, comment on va faire pour arriver à réconcilier le garçon et la jeune fille? Oh, ça y est, je sais. Je viens de trouver un moyen qui devrait arranger les choses. Oh là là, j'aime pas quand tu te mets à avoir des idées comme ça. Pas la peine de t'inquiéter. Tout va bien se passer et au bout du compte, tout le monde sera content. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me recevoir? C'est la livraison habituelle. Oh, je suis désolé qu'il vous ait fait peur. Je leur avais juste demandé de me tuer les mouches. Tuer les mouches. Je viens de la voir. Ça alors, j'aurais jamais cru que j'y arriverais. C'est normal, t'as été rapide, rien de surprenant. Salut, alors, ça bosse? Oh, c'est Xena, la princesse guerrière du commissariat. Tu sauras que je n'aime pas beaucoup qu'on m'appelle Xena. Moi, je suis venue pour vous apprendre des choses un peu plus calmes. Comment ça, des choses plus calmes? On peut savoir ce que c'est, madame? Je vous demande d'assister au cours de sécurité routière en ville. Ah, sûrement pas, c'est nul et surtout, on s'ennuie à mourir. C'est ça que vous voulez? Oui, c'est ça que je veux. Mais avant, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi vous dites que dans ce cours, on s'ennuie à mourir. Parce que vous ne nous apprenez rien. La sécurité en ville, nous, on la connaît déjà très bien. Attention, écoutez-moi bien. Je tiens à ce que vous veniez à ce cours. Puisque vous le demandez si gentiment... Parfait, je crois que vous avez compris. Et j'aimerais que vous ameniez avec vous toute votre classe de kendo. Je veux que vous veniez par deux. J'ai fait une liste. Tous les noms sont là-dessus. C'est un ordre, et si jamais vous le discutez, vous savez ce qui risque de vous arriver? Non, non, c'est pas madame. Eh bien, ça vaut mieux pour vous. J'ai obligé le petit garçon à demander à la fillette de l'accompagner. Mais Laura pense que je n'aurais pas dû, que j'ai fait une erreur. Ah non, je ne suis pas de son avis. Ah, je suis contente. Oui, enfin, je dois dire que je ne... Oh. Mais dites-moi, regardez qui est là. Est-ce que tu as oublié quelque chose? En fait, c'est... Oui, c'est que... Je ne peux pas lui demander de venir avec moi vu ce que je lui ai dit l'autre jour. Mais qu'est-ce que tu viens nous chanter là? C'est du passé tout ça, il faut te lancer. Je ne crois pas que les choses soient aussi simples que vous les présentez. Comment ça? N'oublie pas les secrets du kendo. Hein? Il faut toujours bien se connaître. Toujours connaître son adversaire. Et quelle que soit la situation, frapper sans peur. C'est pas plus compliqué? Pas du tout. Mais ce n'est pas aussi facile que tu le crois. Quelle que soit la situation, il faut toujours frapper sans peur. Dites donc, lieutenant, pourquoi vous vous dites ce genre de phrase à vous-même? Oh, pour rien du tout. Non, non, faites pas attention, Olivia. Vous êtes bizarre, vous. Merci à tous, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis une marionnette et je suis votre hôte aujourd'hui. Je m'appelle Cookie et je vous présente Anna. À t'entendre, on croirait que je ne suis qu'une petite fille qui ne connaît pas grand-chose. Mais j'espère que tu vas tout nous apprendre. J'espère que je pourrai répondre à tes questions. Eh bien, j'en ai Bah, t'es venue quand même, finalement. Eh oui, toi aussi, est-ce que je vois? Pour un début, presque tous ceux que j'ai appelés sont là. Mais il y a énormément de jeunes. C'est bien d'être venus, les enfants. Bien plus rapide. T'es déjà arrivé? Ah. Je suis désolée d'être en retard. Ah, ce n'est pas grave. C'est gentil de m'avoir invité. Je te remercie. Ça doit déjà être commencé. Allez, viens, on se dépêche. Sur ce dessin, vous voyez la tortue qui a bien sagement attendu sur le bord du trottoir que le petit bonhomme passe au vert pour se lancer sur la chaussée et qui est arrivé à traverser au passage protégé. Mais le pauvre lièvre qui lui s'est lancé à travers la rue sans réfléchir a été stoppé au milieu et n'ira pas plus loin. Et ceci est la morale de la fable Le lièvre et la tortue, version officier de police. Alors quand le petit bonhomme est rouge, n'oubliez jamais mes enfants. Eh bien tu vois, ils sont tous réunis et tous contents. Donc il passe au vert.
Je dois reconnaître que tu as un style bien à toi pour faire les choses. Mais oui, ils se sont réconciliés, c'est avant tout grâce à moi, et tout le monde est effectivement content, même nous. Merci, Olivia. Mais je vous en prie, lieutenant Franck. Ah, bon sang, est-ce que ça peut être agaçant ces embouteillages? On perd vraiment un temps fou. C'est vrai, mais on n'y peut rien. Si on n'avance pas plus vite, on va finir par manquer le cours de kendo. Si tu nous mettais le gyrophare. Mais je n'ai pas le droit. Oh, je pensais qu'on aurait pu s'arranger. Le cours se termine à 4h30, il nous reste une petite demi-heure. J'ai compris. Si tu arrêtais de t'agiter, ça n'arriverait pas. Oui, c'est bien ça. Je crois que cette fois, j'ai compris. Vraiment très bien. Tu as vu comme ils s'en sortent bien. Oh, on l'a eu. J'ai l'impression qu'il bat en retraite. Il doit perdre sa concentration. Mais il va perdre s'il continue à se battre comme ça. Ce n'est pas grave. On peut se permettre de perdre dans la mesure où... Dans la mesure où quoi? Dans la mesure où l'on a compris que cela pouvait aussi être très agréable. Allez, vas-y. On dirait que tu as oublié tous tes secrets. Je n'y arriverai pas. Mais si tu y arriveras, si tu es amoureux. Amoureux du kendo, je veux dire. Il faut bien se connaître. Toujours bien connaître son adversaire. Toujours frapper sans peur. Je crois que mes cours sont inutiles à présent. Hein? Mais pourquoi? Parce que je t'ai enseigné l'essentiel, que tu sais te débrouiller et que tu peux maintenant continuer tout seul. Mais pourtant nous n'avons fait que commencer. Oui, mais je crois que tu as enfin pris goût au kendo. Et c'est surtout ça l'essentiel. Oh. Au revoir. C'était plutôt inhabituel pour vous ces cours. Ça m'ennuie de vous poser cette question, mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez décidé de devenir leur prof. Eh bien, parce que... Non, c'est un secret. Quoi? Comment ça, c'est un secret? Non, je préfère ne rien dire. Ah non, pas question, je veux savoir ce que vous cachez. Bien, disons que... Enfin, je veux dire... Oui, ça me rappelle... Oui, quoi? Allez-y, qu'est-ce que ça vous rappelle? Non, laissez tomber. Oh non, c'est trop facile ça, je veux savoir moi. Allez, crachez le morceau. Non, arrêtez. Pas question, j'arrêterai pas. C'est dingue, comment croyez-vous que je vais pouvoir dormir moi maintenant? Mais ça suffit. Sûrement pas. Lâchez-moi. Non mais alors, mais je vous lâcherai que quand vous m'aurez tout expliqué.
すれすれなるままに日暮らしすずりに向かいて、今は昔、緑化の流れは絶えずしてバブリーなり。あの課長、体の調子が悪いとか。小早川、お前は辻元の相棒だ。できることとできないことがある。次回、逮捕しちゃうぞファイル47、タイムリミット。そんな、急に。